travaille pour la maison Martel depuis 2016 et j'habite Vaurouillac depuis 2018 exactement. Mon métier, bah, il consiste à ajuster, à régler mes machines, à contrôler également toutes les matières qui sont présentes sur ma machine. Ça peut être par exemple pour quelqu'un qui est sur une bûcheuse, ça va être des bouchons, pour quelqu'un qui est sur une encaisseuse, ça va être les caisses, les étuis, les contrôles de produits finis, beaucoup de contrôles, de mirage. On a également la partie transformation, c'est-à-dire que quand on passe par exemple sur un 70 cl cordon bleu à un 70 litres VSOP, on a toute la machine à transformer, c'est-à-dire pour que les pièces conviennent au nouveau format, ajuster, régler. La sécurité est plus importante que la production chez Pernod Ricard, donc il faut toujours être très vigilant à nous-mêmes et aux collaborateurs qui sont autour de nous. Entrer chez Martel, c'est rentrer dans une boîte qui a un gros historique, qui a été créée par Jean Martel, qui a internationalisé le commerce du cognac. Donc c'est plus de 3 siècles d'histoire, c'est la plus ancienne des maisons de cognac. C'est valorisant de travailler dans une entreprise avec un tel historique. Et ensuite, c'est valorisant parce qu'on a vraiment l'impression d'être notre pierre à l'édifice. On est vraiment acteur de notre journée, de notre carrière professionnelle. On est sollicité pour différentes actions. Et on travaille aussi un produit de grande qualité quotidiennement, donc c'est agréable également. C'est une fierté et c'est également une responsabilité. Étant donné qu'on est le dernier maillon, une fois que la caisse part ici, elle part directement au consommateur. Donc il faut que toutes les étapes soient respectées afin de satisfaire les attentes des consommateurs. On travaille avec tout le packaging, avec les bouteilles, donc c'est des matières qui changent régulièrement. On a les machines qui changent régulièrement, on a une évolution des machines, une évolution des logiciels. Donc il y a tout un savoir-faire ancestral, que ce soit pour la tonnellerie, que ce soit pour la distillerie, les eaux de vie, les cépages. Donc c'est quand même tout un terroir qui est important et qui valorise notre région, notre pays. Déjà d'avoir une entreprise de cette importance avec autant d'employés et une renommée aussi internationale, c'est forcément valorisant. C'est vraiment une bonne chose, je veux dire. Et c'est vraiment une valeur ajoutée pour le Rouillacais, c'est sûr et certain. Ici, on est en plein cœur des vignes, en plein cœur des fins bois. Donc c'est agréable, on a un très beau paysage, surtout que tout ce côté de la mise en bouteille est avec des livres, donc on a une vue directement sur les vignes du Rouillacais. Donc effectivement, c'est vrai que c'est très agréable. Je suis satisfait d'être ici, pour y habiter et pour y travailler.